Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Marium. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars sur Black Clover Mobile, comme vous pouvez le voir, ma première vidéo sur le jeu. Je joue en off depuis qu'il est sorti le jeu. Voilà, c'est vrai que j'ai pas fait trop de contenu parce que d'une j'avais pas trop le temps. Et deux, bah, le jeu je trouve vraiment bien, j'avais fait des vidéos à l'époque quand j'avais joué à la version japonaise ou coréenne, je sais plus. Donc voilà, donc oui je joue bien au jeu les amis, et comme vous pouvez le voir on va partir invoquer sur le magnifique Julius qui est sorti le jour de Noël les gars. Donc je voulais vous souhaiter un joyeux Noël à tous, prenez soin de vous, de vos proches, amusez-vous, j'espère que vous serez gâtés. Voilà, donc voilà, petit aparté en début de vidéo. Bien sûr les gars, on va partir invoquer sur le GOAT, hein, sur Julius, le personnage à avoir absolument avec des doublons, ainsi que son équipement, voilà, très important pour information. Donc le portail est sorti ce matin les gars, le jour de Noël bien sûr, hein, ce matin à 4h du matin. On est parti avec 59 tickets comme vous pouvez le voir en haut les gars, hein, je vous montre là ici. 59 tickets avec 21 500 gemmes quoi, avec 1100 gemmes payantes que j'ai acheté les packs au début. J'espère l'avoir les gars, j'espère avoir de la luck pour la première vidéo les gars sur la version globale. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, un max d'abonnements les gars pour donner de la force, je vise les 1000 abonnés s'il vous plaît. Voilà, qu'on puisse évoluer la chaîne. Et voilà, à mettre un peu un max de pouces bleus les gars pour donner de la force s'il vous plaît. C'est important, c'est gratuit, ça coûte rien et ça aide vraiment. Et à mettre en commentaire si vous avez invoqué sur Julius, je me doute que oui, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez du personnage et en combien d'exemplaires vous l'avez eu et en combien de gemmes, ça m'intéresse de le savoir. Ou à faire un coucou ou un joyeux Noël, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on ne perd plus de temps les gars. Let's go, je suis super hype. Donc on est parti, première multi les gars, oh là là. Est-ce que la log va être avec moi? Oh, ça coche. Mais oui. Oh là là, première multi les gars. Qu'est-ce que ça va être? Personnage ou équipement? Allez. Ok. Ok, ok. D'accord. Allez. Allez, allez. Alors, faut savoir les gars, sur le jeu, j'ai très très peu invoqué. Je farm depuis le début, hein. J'ai rien invoqué du tout. J'ai fait exprès pour optimiser parce qu'on savait que Julius, depuis un bon moment, hein, sur des vidéos YouTube, hein, sur des YouTubeurs, j'ai vu ça les gars. J'ai pas inventé, que Julius allait arriver. On l'a su très rapidement, donc dès que j'ai su que le personnage Julius, parce que c'est le GOAT à avoir les gars, hein, je vous le dis direct, hein. Si vous commencez le jeu maintenant... Oh. Oh non! Yes! Oh là 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 là! Première multi, les gars! Ça a bugué, je savais pas si ça allait bugger ou pas! Oh là là, on a le Julius, les gars! Premier exemplaire de Julius, première multi! Un max de pouces bleus, les gars! Oh là là! Je vous envoie ma luck! Oh, incroyable! Incroyable! On a déjà le nouveau personnage, les gars! Alors, voilà ce que j'étais en train de dire, les gars, c'est le GOAT du jeu, même sur la version coréenne ou japonaise, je sais plus. C'est le GOAT. Donc voilà, c'est le personnage à avoir avec des doublons. Oh, j'ai cru que j'en avais un autre. J'ai eu peur. Et voilà, c'est très important de l'avoir avec des doublons. Faut l'avoir LR3, je crois, j'ai compris, LR2, LR3 et LR5, parce que ça change tout avec son équipement très important. Il a un équipement qui est vraiment important. Donc on a Julius, les gars. Première multi. Ah oui, et voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai des doublons. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai des doublons qu'on peut mettre à n'importe quel SSR. Donc déjà, là, j'ai déjà deux doublons à ma possession. Il y en a un troisième que je suis en train de farm. Mais déjà, je suis sûr de l'avoir au moins LR2, LR3, quoi. Donc voilà le Julius, oh là là, il est là, les gars. On continue. Il y a une pitié à 300 multi, hein. Mais 300 multi, faut avoir pas mal de gemmes. Ok, pas de sacoche. Aléatoire, du coup. Ok. Ah, je suis très très content, les amis. Aïe, 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 aïe. J'espère que vous aurez autant de chance que moi. Là, pour le coup, première multi, je l'ai, donc on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Alors, par contre, là, ce qui est bien... C'est que c'est ma box, les gars, elle est heureuse. Hein. Je vous le dis clairement, ma box, ça va être heureuse. Je vais avoir un up monumental. Je vais avoir un up monumental. Sachant que, les gars, aussi, dernière information, je vous le dis, parce que je sortirai cette vidéo avant la prochaine, parce que j'en ferai deux, je pense, aujourd'hui. Il y a les multi 999, les gars. Ça veut dire que vous pouvez aller chercher un SSR que vous souhaitez 999 fois. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir invoquer pas mal de fois. Le mieux, moi, ce que je peux conseiller, je pense, c'est d'avoir un équipement SSR et un personnage SSR, ça serait le top. Par contre, vous allez passer un moment, je pense, à part si vous avez de la luck. Hein. Mais voilà, je vous conseille au moins d'avoir deux beaux trucs quoi dans la multi. Sachant qu'il y a ce qu'il faut, quoi. Donc, très important, les gars. Aujourd'hui, ça va être une pluie d'SSR. Hein. Pour moi, déjà, le up du compte, ça va être incroyable.
Il y a Noël aussi que je vais avoir un exemplaire, mais je pense que j'invoquerai sur Noël si on a de la chance sur Julius. Les restes de mes gemmes sera sur Noël, parce que Noël est très importante aussi dans le jeu, donc Noël swimming pool là. Allez, on continue les amis. C'est des tickets. Ça coche. Oh oui. Ben oui les gars. Allez. Son équipement, ça serait parfait. Faut absolument son équipement. Oh. Ah, j'ai cru. Il me faut son équipement les gars, c'est très très important l'équipement. OK. Il y a des SSR qui sont bons sur le jeu. Hein. Important d'avoir les R pour un peu moins, je m'en fous moi en vrai. Pour la collection, il y en a, ils disent, mais moi je m'en fous. OK. OK. Quand vous voyez ce trèfle les gars, c'est bon signe. Hein. Si ça pouvait être le trèfle sur les SSR, ça serait Julius. Très 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 souvent de chance. Allez le jeu. Allez, Julius. Mais oui. Yes. Oh là, les gars. On est en train de casser le jeu. Oh là, 3-4 multi de Julius, les gars. Bon, mais c'est pas réel. Non, mais les gars, c'est... Un max de pouces bleus, les gars. Donnez de la force à la vidéo. Abonnez-vous. S'il vous plaît, les gars. Le jour de Noël, faites-moi ce cadeau. Je demande rien de plus. Oh là là, c'est incroyable. On a déjà deux Julius. Je suis sûr de l'avoir réel R3 déjà, les gars. Il me faudrait encore deux doublons pour que ça soit bien. Ça coche. Allez, les gars, braquage. OK. Je rêve peut-être de l'équipement quand même là. Pour être rassuré. Parce qu'il est vrai que si j'ai Julius à LR5 et que j'ai pas l'équipement, je ferai la gueule. Hein. Pas vous mentir. Par contre Julius, je pense que si on peut le monter les gars, je le mets LR5 direct. Meilleur GOAT du jeu. Meilleur GOAT. Ça veut tout dire hein, quand je dis ça. OK. Franchement, vous avez Noël rouge. Swimming pool là. Et Julius les gars, vous êtes trop fait. Hein. Votre compte il fait un up. Sachant qu'on peut les jouer ensemble si j'ai compris. De ce que j'ai vu, on peut faire une team avec les deux. Donc ça va être n'importe quoi. Ma team va être n'importe quoi les gars. C'est pas. OK. Allez, un équipement ici. Oh, l'équipement de Julius, s'il te plaît. Oh non. Ah, c'est pas l'équipement de Julius les gars. Je connaissais pas celui-là. Applique un bonus de... Ouais, c'est pas mal en vrai. En vrai, il est pas mal celui-là. On continue les amis. Allez. Ça coche. Oh là là, mais... Non mais les gars, j'ai pas... On n'a pas regardé avant, mais c'est pas SSR garanti, c'est pas possible. C'est pas possible. OK. Ah, oh, c'est incroyable, hein. J'en reviens pas les amis. Ouais, c'est vraiment le jour de Noël, hein. Le jeu il a envie de m'offrir là. Il dit tiens, t'as jamais invoqué, vas-y, tiens. Tiens, prends tout. Allez. OK, lui ça me sert. Il y a des bons essais. Allez, l'équipement de Julius, s'il te plaît. Ah non, mais il veut pas, hein. Il veut pas le jeu, il veut pas. Bon, on a le GOAT, hein. On l'a eu deux fois, c'est déjà pas mal. Allez, j'ai peur qu'on ait rien là-dessus par contre. OK, allez. Non mais je pense que c'était l'équipement qu'on a eu, ouais, c'est ça. Bon, on a des équipements nécessaires, on prend, hein, bien sûr. Donc on part sur les gemmes, les gars, voilà. On part sur les gemmes. Par contre, ouais, j'en veux 10, quoi. Eh bien sûr, je paye et là j'ai rien. Oh, bizarre, comme c'est bizarre. Le jeu a pas envie de me, les gars. Je paye avec mes gemmes, il veut pas. Allez, on passe parce qu'on sait qu'on aura rien. OK. Allez.
Ok, on n'aura rien. On peut passer à mon avis. Voilà. Allez, prochaine multi. Let's go. Pas de sacoche. Aïe, 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 le jeu me rattrape, les gars. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on a toujours pas l'équipement de Julius. Et par contre, ça m'embête un peu. Allez, un spécial, ok. Ok, allez. Lui, il a toujours une belle animation, je trouve, pour un R. Ok. On continue. Ça va, ça part vite, les gars, les gemmes. Sacoche, sacoche. Allez, alerte rouge. Alors après, sacoche, mais pas de clin d'œil. Est-ce qu'il y aura un fake out? Ok. Allez, le jeu. On parle moins depuis tout à l'heure, les gars. Le stress est là. Est-ce que je vais avoir l'équipement? C'est vrai que je vais pas vous mentir, l'équipement est très important parce que deux doublons. Là, j'ai Julius avec un doublon. J'ai deux doublons de mon côté, donc il est LR3. Faudrait que j'ai encore une fois Julius parce que sachant que les doublons, on va en gagner d'autres. Ça serait économiser un petit peu. Ça pourrait être pas mal en vrai. Faudrait que j'ai encore un doublon de Julius et l'équipement. Et j'arrête. Et après j'invoque sur Noël. De toute façon il y a un système de pitié, je pense qu'on y arrivera peut-être au bout là. La pitié à mon avis on arrive au bout. Sacoche les gars, sacoche, allez. Fais ton clin d'œil là. Non. Le jeu me shaft les gars depuis trop. C'est fou que je dise ça alors que je l'ai eu deux fois. Hein. Mais le jeu là il est en train de me dire c'est bon gars, arrête, arrête. C'est fini les cadeaux là. Allez on y croit quand c'est ce logo. Non. Allez le jeu. Bon je vous souhaite de l'avoir les gars, au moins de l'avoir. C'est le plus important. Personnage très très important dans la méta. Hein. Je répète, s'il y a un personnage que vous devez invoquer ou si vous commencez le jeu aujourd'hui, Julius. Je cherchais pas un autre. Julius. Allez. Aïe. Let's go, on a rien de spécial, rien de fou. Hein. Même les SR, on n'a pas beaucoup d'SR. Hein. Je sais pas si on arrivera au bout en vrai. Peut-être pas, ça risque d'être juste. Hein. Ça coche, allez. Ok, SSR garanti les gars. C'est ça qui nous anime. Allez. On y croit. On y croit, on y croit. Ok. Si je pouvais éviter de mettre toutes mes gemmes, je serais content. Hein. En vrai de vrai. J'invoquerais son Noël, mais le jeu, je sais pas. Moi, j'ai jamais de chance sur les gachas pour ça. Il faut bien qu'il manque quelque chose dans l'équipement. Hein. Ça serait pas marrant sinon. Ok, allez. Ok, on a Julius, les gars! Deuxième doublon! Incroyable! On a Julius et LR4, les gars. Par contre, là, l'équipement, je vois pas. Hein. Et ça m'inquiète, par contre. Ah ouais! Je l'ai LR4 parce que j'ai deux doublons. 2 et 2, 4, ouais. Ah, par contre, les gars, ça serait trop abusé si j'ai pas l'équipement. Oh, je suis en train de penser. On est sûr d'avoir un troisième doublon avec la pitié, de toute façon. Normalement, je pense qu'on pourrait peut-être y arriver. Peut-être, je sais pas. J'ai pas envie de cash play, les gars, je vais pas vous mentir. Sur le jeu, j'ai envie de jouer free to play. Parce que le jeu vous le permet, franchement, si vous faites attention. Bon, bien sûr, il y aura une différence entre ceux qui ont tous les personnages et LR5. Hein. Une team et LR5, forcément, mais bon. Ça, moi, je m'en fiche, je joue vraiment tranquillement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous cash playez ou pas, les gars. Ça m'intéresse de savoir si vous prenez le jeu
tranquillou ou si vous êtes à fond. En tout cas, c'est un très bon jeu, franchement, faut le noter. Hein. Un jeu gacha, c'est une très très bonne facture, très très bonne qualité. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un jeu gacha aussi bien. J'avais joué à la version Jap d'ailleurs, il doit y avoir des vidéos sur ma chaîne. Hein. Et je vais pas vous mentir, j'avais vraiment kiffé. Après, j'ai arrêté de jouer parce qu'il faut du temps. Je joue à Dragon Ball Legends, je joue à Dokkan Battle, je joue à celui-là, je joue à Tokyo Ghoul. Mais je fais pas beaucoup de vidéos dessus, les gars, mais il va en avoir. Quand j'ai du temps, malheureusement, j'avais pas de temps en ce moment. Au mois de début décembre, j'avais pas de temps de faire de vidéos à contre-coeur parce qu'il y avait plein de jeux. Et là, ouais. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on invoque, les gars. Un quart d'heure. Là, on va pouvoir aller à l'appétit, hein. Dans tous les cas, on est sûr d'avoir... Bon, allez, Julius, donne-nous l'équipement, là, et puis on est gagnant. Ça coche. Pas de garantie, du coup. Y'a pas... Ça s'explose pas. C'est dommage, hein. Allez, le jeu. C'est Noël, sois généreux. Je commence à me demander s'il y a l'équipement dans le portail, les gars, j'ai même pas regardé. J'ose espérer quand même. J'ai un doute, les gars. Beaucoup non. Et c'est obligé. Ah oui, les gars, je ferai une prochaine vidéo aussi, parce qu'il y a un truc important pour ceux qui connaissent le jeu, ou peut-être que ceux qui jouent qui le savent pas. On peut avoir un équipement SSR. On peut choisir un équipement SSR, il y a un moyen en free-to-play. Voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ça peut être intéressant à montrer, peut-être ça, j'ai pas pensé. Ça coche, porte pas en or. Ok, doute. Et ouais, je pense que ça peut être pas mal de faire une petite vidéo dessus, ça durera 5 minutes, mais je pense que ça peut être bien pour vous montrer. Parce que ça, c'est important d'avoir un équipement SSR sur le personnage que vous souhaitez. Donc ça peut être cool. Allez. Ok. Faut pas te faire chaos, hein. On n'a pas le droit au bonheur. Hein. Le gars, il a eu 3 Julius déjà. On n'a pas le droit au bonheur. Il va m'emmener à la pitié, le salopard. Hein. Allez, porte dorée, s'il te plaît, allez. Ça coche. Allez. C'est fini, donne-le nous maintenant. Voilà, c'est ça que je veux. Le gars, il est presque dégoûté d'avoir un autre Julius, quand même. C'est l'équipement que je veux, les gars. J'ai eu peur. Alors, les gars, question pour ceux qui jouent au jeu. Est-ce qu'il vaut mieux Julius LR5 et l'équipement? Ou un Julius et l'équipement? C'est quoi le mieux? Je me pose la question. N'hésitez pas à me dire, c'est peut-être bête comme question, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Dans le jeu, qu'est-ce qui est le plus optimisé? Est-ce que les doublons font vraiment la différence? Je pense que oui, parce qu'il y a les capacités à débloquer. Et LR2 et LR5, je crois, ou LR3. Et je dis des bêtises, là. Mais, c'est pas Julius. Oh, je l'avais pas! Bon perso, les gars! Ah oui, avec Julius et tout, ça peut faire une sacrée équipe, hein. Si je mets Vengeance... Mars... Vengeance, Mars, Julius et lui, ça peut être incroyable, non? Bon, je regarde ce qu'ils préconisent de jouer avec Julius. L'avantage, c'est qu'il y a la version japonaise ou coréenne qui est sortie. C'est coréenne, je crois. Et on peut voir ce qui se passe avec du temps en avance. Bon, Vengeance, on prend, les gars. C'est un très bon perso, je l'avais pas. Ma box, les gars. Wow, elle va être contente. Allez, on continue. Bon, mais toujours pas l'équipement, hein. Ça coche, ok. Ok, ok, pas de sûreté. Y a jamais de fake out là-dedans, dans le jeu, quoi. C'est con, quoi. Ok. Ah, j'ai un petit regret quand même, hein, si j'ai pas l'équipement. C'est vrai que là, c'est en train de me... Parce que je suis en train de me dire, est-ce que je continue quand même ou j'arrête, quoi? Parce que je vais arriver à la pitié, quand même. Je pense que j'arrêterai la vidéo invocation quand même là, les gars. Je vais me renseigner quand même. Voir s'il y a un autre moyen de l'avoir sans équipement, peut-être. Il y a peut-être un moyen de l'avoir, faut que je regarde, parce que j'ai pas envie de cramer mes gemmes non plus comme ça. Déjà que là, bon, je fais un peu la gueule parce que je me dis...
J'ai ce qu'il faut en doublon et j'ai pas d'équipement, donc ok. Ah, ça me passe à rien. C'est dommage. Ok. Pas de fake out, rien. Bien dommage. Il est stylé lui, le SSR là, j'aime bien. Ok. Par contre, ce qui est bien, c'est que je me suis assuré quand même de l'avoir. Avec la pitié. Ça coche, allez. Allez le jeu. Ouais, allez. C'est maintenant. Allez le jeu. Ok. Allez, c'est maintenant. Beaucoup non. Allez, allez. Ok. Allez, 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 allez. Allez, s'il te plaît, c'est maintenant. Oui. Il est là, les gars. Itsu. Yes. Oh là 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 là. C'est bon. Et les gars, ce qu'on va faire, on va continuer jusqu'à la pitié pour avoir un doublon de Julius. Et je l'aurai LR5, plus l'équipement, les gars. Un max de pouces bleus, les gars. Bien sûr, je le rappelle toujours, max de pouces bleus, les gars. S'il vous plaît, il faut vraiment m'aider, les gars. Maintenant, c'est mon modèle. Oh là là là. Ah les gars, plus que 3 multi dans tous les cas, mais là, oh, c'est incroyable. Oh là 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 là, la folie. Oh la folie, les gars. On s'est donné les moyens quand même avec les nombres d'LGM et d'équipements, mais là, franchement, je ne regrette pas du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'ai pas les mots. Hein. J'ai pas les mots, les amis. Oh, le GOAT. Je suis sûr de l'avoir LR5, les gars. Bah là, parce qu'avec LR5, les gars, avec je l'ai 4 fois. Ça fera 4 fois avec la pitié. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Allez, plus que 2. Et du coup, je pense que j'invoquerai sur le portail de Noël, les gars. On va tout gaspiller, du coup. Hein. Là, il y a pas mal de vidéos sur le jeu qui vont sortir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. À vous abonner à la chaîne. Oh, on a un SSR en haut à droite. Qui est pop. Et il y aura une vidéo sur Julius. Une vidéo sur... sur Noël. On va invoquer, je pense. On va tenter. Et une vidéo sur le 999, là, invocation, pour vous dire ce que je vais faire et ce que je vous conseille. Et une vidéo pour montrer pour un équipement SSR sur un de vos personnages sur Lotus ou sur Mars ou autre. Pour vous garantir d'avoir un équipement SSR sur un personnage de votre choix. Oh ! En cliquant, on a deux fois l'équipement, les gars ! Wouah ! Oh, j'en reviens pas. Wow. Dernière multi, les amis, sur le portail. Avant l'invocation gratuite. Ça coche. Oeil. Encore un petit équipement, les gars. Hein. Je dis pas non. Ou un petit Julius pour garder un doublon pour mettre sur Noël. Pourquoi pas, allez. Pourquoi pas, soyons fous. Je voulais pas, mais bon, en vrai, si j'ai des doublons pour mettre sur Noël, pour me le garantir de l'avoir LR3, LR2 ou LR3. Je sais plus, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est vrai que je me rappelle plus, c'est LR2 ou LR3 pour la capacité. Je crois que c'est LR2, mais je suis pas sûr. Je me rappelle plus. LR2 ou LR3. J'ai un trou de mémoire là-dessus. Allez, s'il te plaît. Ah, j'y ai cru. Eh, on y croit, on y croit, on y croit, hein. On voit le sigle. Hein. Franchement, il pop le sigle. Hein. Ah, je croyais que c'était encore un Julius. Oh, les gars, franchement, je suis super chanceux. Hein. Oui. Oh là là. On a cassé le jeu, les gars.
Oh. Ah non, mais attendez. Ah oui, bah c'est normal que je l'ai. Ok, je pensais qu'on devait le prendre après. Bon, bah tant pis, on l'a. Le taux de drop, les gars, il y a combien? Chance des SSC, 1%. Page de mage. Vous imaginez, les gars, combien de fois je l'ai eu? Il a 1%, mais vous imaginez? Non, mais franchement, c'est pas mal, hein. Alors, je vais vous montrer vite fait, pour ce... parce que c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo sur le jeu. Oh là, il me parle d'argent, déjà. Donc, les gars, j'ai commencé avec Lotus. Et voilà, et j'ai ces trois. Voilà, mon équipe a quelque chose près, c'est ça. Et avec elle, avec Sol. Voilà, je joue ces trois-là. C'est pas optimisé, les gars. Mais là, par contre, on va pas se mentir. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là, je le fais en live, les gars. Oh là là. Oh là là. Oh là là, les gars. Oh, je le montre en live, oh, bien sûr, je suis obligé de faire dans la vidéo. Oh là là, les gars. Ah oui, mais forcément, si je clique pas. Oh là là, les gars. J'en ai mal aux yeux. Oh, c'est incroyable, les amis. Oh. C'est LR3 la nouvelle capacité, je crois. On a la réponse. Enfin, je regarde. Non, LR2, les gars. Désolé. Régénère 45% des PV. Et l'autre, c'est quoi? Ah ouais. Oh. Ah, je suis obligé de passer LR3, hein. LR5, les gars. Je vais garder des doublons pour Noël, mais je m'en fous de Noël, en vrai. Je m'en fous, je fais ce choix-là, les gars. Ah ouais, bah je suis obligé. Je suis obligé. Oh, 100% de sa vie de régénération, les gars. Ah ouais, non, mais il est cheaté, le gars. Et LR5, les gars. Premier personnage, Julius, LR5. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, les gars. Les pouces bleus, c'est gratuit. À me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez dire. Vous mettez joyeux Noël, allez, c'est le jour de Noël. Mettez joyeux Noël, comme ça, je verrai que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Ou peut-être pas, mais voilà, ça fera joli dans les commentaires. Je vous envoie ma luck, les gars, bien sûr. Et je vous invite à aller voir une prochaine vidéo qui va sortir sur Noël, les gars. Bye bye, prenez soin de vous et encore un joyeux Noël. Bye bye, les amis.